Raphaël, bravo pour ce grand match du Real Madrid. Est-ce que ça y est, vous êtes déjà à Cardiff ce soir? Non. On a un match retour qui nous attend, qui ne sera pas facile. On a gagné une bataille importante. Maintenant, on n'a pas gagné la guerre. Donc, va falloir aborder le match retour comme s'il y avait eu 0-0 aujourd'hui, avec l'intention de gagner. Voilà, on est le Real Madrid, donc on joue pour gagner. Et voilà, on abordera le match retour de cette façon. Normalement, c'est toujours des matchs compliqués contre l'Atlético parce que c'est une équipe qui joue défensive, très regroupée. Comment vous avez fait ce soir pour les déstabiliser et un petit peu les surclasser quand même? On connaît très bien cette équipe, eux aussi nous connaissent. Après, on savait qu'il fallait jouer avec beaucoup d'intensité, jouer comme s'il n'y avait pas de match retour. Et puis voilà, on a réussi un gros match, on a eu un Cristiano des grands soirs. Donc voilà, on a réussi à être efficace, que ce soit offensivement ou défensivement, et on a réussi à imposer notre jeu. Un petit mot sur Cristiano Ronaldo, les 5 buts face au Bayern, 3 buts encore ce soir. Ah, Cristiano, voilà, on peut plus douter de son talent, de sa capacité à être décisif dans les moments importants. On a de la chance de l'avoir avec nous. C'est que du bonheur de jouer avec lui. Et voilà, c'est une chance pour nous et pour le Real d'avoir un joueur comme ça avec nous. Comment non te voy a querer?